Alors que TF1 est en pleine diffusion des auditions à l'aveugle de la saison 9 de The Voice Kids, on connaît le nom des 8 personnalités qui épauleront les coachs lors des prochaines battles. This is The Voice. Tous les mardis, l'émission The Voice Kids nous gâte avec des prestations à couper le souffle. Des enfants entre 5 et 16 ans dépassent leur stress pour prétendre à la victoire de l'émission animée par Nikos Aliagas pour le plus grand bonheur de nos oreilles. Entre rire et larmes, la saison 9 de The Voice Kids est forte en émotion pour les coachs Patrick Fiori, Kenji Girac, Nolwenn Leroy et Slimane. Et bientôt, la compétition va s'intensifier après la fin des auditions à l'aveugle. Qui sont les 8 célébrités qui seront présentes pour aider les coachs de The Voice Kids 9 aux battles? Les talents de The Voice Kids vont dès le mardi 8 août monter sur le ring de l'émission pour s'affronter lors des fameuses battles. Une étape que seulement 48 chanceux pourront découvrir puisque chaque coach a le droit à 12 candidats. Pour accompagner les coachs de la saison 9, 8 célébrités seront de passage dans le programme de TF1. Leur rôle sera d'assister aux répétitions et d'offrir leurs meilleurs conseils aux talents avant leur prestation. Slimane pourra compter sur sa meilleure amie Vita, avec qui il a formé un merveilleux duo pendant plusieurs années, mais également sur l'ancien candidat de The Voice 5, Claudio Capeo. Bilal Hassani, ancien membre du jury de Danse avec les Stars, sera présent pour soutenir la team de Nolwenn Leroy avec l'aide de Joyce Jonathan. Kenji Girac, lui, aura pour co-coach Weshden, la chanteuse du titre à succès Anissa, et son ami Soul King avec qui il collabore régulièrement. Pour finir, Christophe Willem et Icar débarqueront dans les coulisses de The Voice Kids pour travailler avec les coups de cœur de Patrick Fiori. The Voice Kids, un jury qui fait l'unanimité pour la 9e saison la saison dernière, Louane et Julien Doré faisaient leurs adieux à The Voice Kids. Pour cette 9e édition, les remplaçants des deux chanteurs font, pour l'instant, un sans faute auprès du public. Ce sont Slimane, qui a déjà remporté la saison 5 de The Voice et qui a déjà été coach pour l'émission dans sa version belge, et Nolwenn Leroy, découverte dans la Star Academy 2, qui ont pris place dans les fauteuils rouges du télécrochet de TF1 aux côtés de Kenji Girac et Patrick Fiori, tous les deux déjà très appréciés par les téléspectateurs. Les petits nouveaux du programme ont fait leur effet sur les fans de The Voice Kids puisque sur Twitter, les internautes font leur éloge à chaque émission. Slimane, si est-il le coach parfait pour The Voice Kids, si est-il un truc de fou, Slimane, j'ai toujours aimé sa voix mais là, devant The Voice Kids, il est grave doux et gentil, vraiment je la y mets trop. Contente de voir Nolwenn Leroy dans le jury ou encore si est-il la première fois que je vais regarder The Voice Kids et si est-il grâce à Nolwenn peut-on lire sur les réseaux sociaux. Un coup de poker l'émission présentée par Nikos Aliagas qui doit voir ses audiences briller.